à nos conférences, merci. C'est gentil d'être venu si nombreux. Alors, avec Madame Marcel, nous avons élaboré cette journée du patrimoine et nous allons vous dire quelques petits mots. Alors, vous savez que notre langue régionale dite Gabon est le mélange à travers le temps du celte, du latin, du grec et du francilien. Chaque région avait son parler. La loi de Jules Ferry a rendu l'éducation obligatoire et a imposé pour tous le français, langue unique. De ce fait, nos grands-parents et parents ont dû parler et apprendre le français. Toutefois, dans les chaumières, en famille, autour de la table et des veillées, on discutait encore en patois. Et aujourd'hui, nous essayons de nous souvenir de ces mots et ces expressions qui font partie de notre patrimoine. Voici quelques exemples que ma mère, Andrea Rebuffel, employait couramment et me disait. Alors, je vais vous les citer. Bon, il y en a, je ne sais pas si vous les voir. Alors, vous avez des mots se rapportant à la maladie ou un peu à la souffrance. Alors, vous avez Agigini. Alors, Agigini, c'est une personne recroquevillée sur elle-même, sans bouger dans un bruit. Ma mère me disait, tu es bien Agigini ce matin, tu es malade. Après, vous avez Amachuti. Ça peut avoir une ressemblance avec Agigini, mais Amachuti, c'est une personne maladive, le terme pâle qui couvre quelque chose, ne s'intéresse plus à ce qui se passe autour d'elle. Après, vous avez, bon, Abourni. Alors, Abourni, c'est quand, par exemple, vous faites du jardin, vous bichetez, vous faites du sport, le lendemain, vous retrouvez que des courbatures, et vous avez mal partout. Mais c'est pas grave, vous êtes Abourni. Ça va passer comme c'est arrivé. Sardier. Chercher. Voilà, chercher de partout quelque chose, je l'envoie avoir quelque part. Moi, je sardis au tour. Hein. Après, il était au milieu de la place. Elle était, si vous voulez, bon, vous connaissez tout le village, elle faisait la longueur de la maison, de la maison Crevelier, donc de la maison, et du Café de France. Vous voyez ? Alors, à côté, il y avait le château. Après, on verra quelques maisons. Après, si vous tournez, vous avez l'avenue de la gare. Il n'y avait que le café French Pub. Il n'y avait pas de maison de ce côté-là, en 1820. Et alors, les maisons d'un côté s'arrêtaient aux deux maisons Béranger, le village. Et de l'autre côté, ça devait être la maison de Bourguignon. L'ancienne maison, la maison de la famille Bourguignon, et de l'autre côté, la dernière maison, c'était celle de Jean-Pierre Rovoux. Est-ce que vous avez des questions à poser? Moi, Jean-Pierre Rovoux, m'a dit que la mienne, c'était une des plus anciennes de cette année. Oui, c'est la dernière que tu as pu. Ça, c'est celle de Jean-Pierre Rovoux. Celle de Jean-Pierre Rovoux. Alors là, quand on dit le château, c'est l'ancien hôtel du parc. On va vous montrer le château. Il a été construit, il a probablement été reconstruit par l'ancien seigneur un peu avant la Révolution. Mais il était certainement sur un site beaucoup plus ancien, parce qu'il y a une maison seigneuriale en 1500 ou en 1600. On pense que c'était à cet endroit-là, et puis le château était vieux, il était vétuste, et ce seigneur de Calvi l'a fait reconstruire et là. C'est pas un scoop, hein. Donc il y aura en rez-de-chaussée les services municipaux, l'accueil au public de la mairie, la grande salle de restaurant devient salle de mariage, salle de réunion, salle d'exposition. Il y aura un ascenseur pour desservir les étages. Puisque au premier étage à gauche, au niveau du bâtiment principal,
Il y aura les bureaux également de la mairie, maire adjoint et les différents services. Sur le côté droit, au-dessus de la salle de restaurant actuelle, il y aura donc une médiathèque qui va faire 100 mètres carrés. Et au troisième, on va dire au deuxième étage en haut, sur le grand bâtiment, il y aura des locaux associatifs, notamment destinés à l'école de musique, toujours desservis bien entendu par un ascenseur et un escalier intérieur, avec des sanitaires accessibles également sur tous les étages. Et sous les toits du bâtiment plus bas, là, sur la droite, celui qu'on ne voit pas, aujourd'hui, il y a un grenier qui n'est pas, on va dire, utilisé. On va refaire le plancher du grenier et on va y mettre, certainement avec une convention avec Petra Castellana, la collection de Petra Castellana, originaire de Saint-André. Voilà. Le Marie, c'est connu comme un restaurant, mais autrefois c'était une auberge. Et il y avait un escalier, d'ailleurs vous l'avez peut-être vu sur le plan, qui descendait le long de l'autre maison. Je crois que c'est la maison arrière par courant, c'est ça? Oui. L'autre de la maison. Alors, le restaurant actuel, c'était de l'écurie. Et les étages étaient, évidemment, les chambres étaient au premier et au deuxième étage. C'était tenu par une famille de Ferraud, donc famille le coiffeur, et c'était l'ancien presbytère. Comme l'église était, elle touchait presque, elle était pratiquement, elle arrivait jusqu'à la fontaine actuelle, ça c'était le presbytère qui était en fonction vers 1600 et quelque part, 1700. Maison Béranger, qui a été construite par un seigneur de Mulhouille, mais ailleurs j'ai trouvé que c'était un nommé Juclar qui l'avait faite. Alors, d'abord, c'est les dames, ou Juclar ou le seigneur de Mulhouille, comme fait évidemment pour y habiter. Après, ça a été une gendarmerie, puis une caserne des douanes qui a été déplacée quand le comté de Nice est rentré dans le giron de la France, c'est-à-dire en 1860. Ça a été un relais de diligence à la fin du 19e siècle, et c'était mon grand-père qui faisait ce relais de diligence. Et ensuite, et jusqu'à la guerre de 1914-1918. Après, elle s'appelle, c'est la Polka. La Polka, actuellement, maison Sauvin. C'est la maison Sauvin. Alors, cette Polka a été construite par un seigneur de Montriès. Et alors, ce que je ne savais pas, que vous savez peut-être, c'est qu'au moment de la Révolution, c'était un descendant des seigneurs de Montriès qui y habitait. Et c'était un héros de la guerre d'indépendance des États-Unis. Il paraît qu'il cassait tout, il était capitaine de tout le monde. Enfin, si les États-Unis auraient été libérés, indépendance, grâce à lui. Il y a quelque chose qui me tient à cœur. L'an dernier, je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là, beaucoup de spectateurs déjà, et je vous ai fait plus ou moins la liste des personnes qui sortaient de l'ordinaire à Saint-André, et il y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais comme personne n'est pas fait, j'en ai oublié. Et j'en ai oublié notamment un qui mérite vraiment de figurer dans notre liste. Alors, tout commence par une histoire d'amour. Une histoire d'amour un peu particulière entre un jeune homme et un cheval. Le jeune homme, c'est Fabien Scandé, le fils de Jean-Pierre et le petit-fils de Jacqueline, ici présent. C'est un jeune homme très bien, très gentil, très agréable, passionné d'équitation et qui travaille dans un centre équestre à Digne. Depuis, il a travaillé assez jeune. Le cheval, ça c'est une autre histoire, le cheval, il travaille aussi dans un centre équestre, il s'appelle Bohème et c'est un cheval qui a été maltraité et qui est complètement réticent. Personne n'arrive à en faire quoi que ce soit. Et après l'échéance, il est promis à l'abattoir. Si vous me trompez, vous, il est promis à l'abattoir. Fabien, qui a un très bon cœur, en amitié, il commence, il essaie de l'abattouer. Il apprivoise. Oh, le cheval s'apprivoise, mais qu'avec lui, je crois que personne ne pouvait l'approcher sauf lui. Et c'était sans doute le mauvais traitement qu'il avait subi dans son jeune temps, qui avait un peu altéré le comportement, qui avait altéré son comportement. Alors, Marie, petit à petit, avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience, le dresse. Marie le dresse, et puis le jour,
Il y a les championnats de France qui se profilent à l'horizon. Fabien s'inscrit. Alors, au départ, c'est une idée qui peut paraître un peu folle. Parce que dans ces championnats de France, il y a 4000 concurrents de toute la France entière, donc de Paris, de Chantilly. D'ailleurs, Fabien était instructeur dans un petit coin de province, dans un petit centre de Digne. Et pour M, je crois qu'il sort un peu de n'importe où, il n'a pas de pédigré. Alors, il a un poème, il sort de nulle part, le cheval. Alors, ils s'inscrivent, ils vont passer les épreuves, première fois au fil des épreuves. Le savoir-faire de l'un et les qualités physiques de l'autre font des merveilles. Et bon, ils franchissent. Et ils se retrouvent champion de France, du concours complet de la porte Beuvron. Alors, Fabien, à 20 ans, il avait une quinzaine d'années. Et donc, Fabien se trouve dans le champion de France, ce qui honore notre village. On n'aurait jamais dû le sortir, le malheureux. Et ce n'était pas une bonne idée. Et l'aîné de la famille avait souvent pour parrain marraine son grand-père et sa grand-mère, dont il portait le prénom, ce qui facilite quelquefois les recherches généalogiques. Quand on voit la quantité de celui-là, ben, ça devait être le grand-père parce qu'il a le même prénom. Voilà. Ça, c'est le petit. Après le baptême, la troupe, le parrain, la marraine, les parents sortaient, mais pas la mère, parce que la pauvre, elle devait se remettre de la naissance. Et les enfants du village attendaient autour de l'église. Et ils attendaient que le parrain devait jeter. Alors, des trajets, des bons d'or, et puis surtout, si possible, des pièces de monnaie. Et s'il n'en jetait pas assez, on lui criait, alors là, écoute, je parle pas de vous, mais pas trop que toi, hein. On lui criait, parrain, rascousse, enfant, djibous. Alors, ça voulait dire que si le parrain n'était pas généreux, eh bien, les enfants seraient contrefaits, mais ils auraient toutes sortes de maladies. Donc, voilà. Il fallait la santé du bébé dépendait de la générosité du parrain. Tous les célibataires se réunissaient, ils se réunissaient autour de la maison, ils tapaient sur avec des décharges de fusil, et ils se faisaient donner par le fiancé de l'argent, parce qu'en fait, le fiancé leur prenait une fille. Hein. Et c'était. Moi, je raconte, mais c'est quand même une blague, c'est que pour moi, il y a une pelote à l'envers, c'est-à-dire que les célibataires étaient tellement contents de me voir marié, de se débarrasser de moi, c'est eux qui ont payé mon mari. Mon mari, il a reçu l'argent, mais il m'a épousé, c'est pas gentil. Ça fait plus de 50 ans qu'on est ensemble, ça marche. Elle a commencé, elle a débuté au moment où les Sarrasins ont été poussés hors, c'est-à-dire à la fin du 10e siècle. Et toutes les années, on faisait un simulacre de bataille qui rappelait qu'on avait été libérés des Sarrasins. Il n'y a qu'une période, attendez, pendant une seule interruption, alors à Senès, il y avait un évêque qui était cet évêque, hein, qui était janséniste, qui était tellement sain qu'il était même un peu, un peu excessif. Il avait interdit la bravade dans toutes ses paroisses, parce qu'il trouvait que ça dégénérait en fête païenne. Il est vrai qu'au bout de 4 jours de réjouissance, les gens avaient un peu soif. Il est vrai que ça dégénérait un peu. Et pendant que l'évêque Souranin a été l'évêché de Senès, il n'y a pas eu de bravade. Ça a repris et évidemment, ça s'est arrêté à la guerre de 14.